quitter le service de la reine, c'est décidé. As-tu déjà songé à tout ce qui nous est arrivé depuis tant d'années sous son enfant? À l'époque, je m'en souviens, mon cœur était plus dur que de la pierre. On a voulu à toute force faire de moi un garçon. Je croyais que cela m'aurait déshonoré si j'avais manifesté le plus petit sentiment humain. Et j'ai vécu toutes ces années comme dans un cauchemar. C'est étrange, vois-tu, toute sa vie, on court après des rêves impossibles, on essaie de croire qu'on est les seuls maîtres de son destin. Et vient le moment où l'on s'aperçoit que l'on n'était qu'un jouet, qu'un pantin privé à jamais de sa volonté. Mais cette époque-là est révolue, André. Qu'importe si j'ai commis les pires folies, un jour quelqu'un a décidé pour moi de ma vie. On a voulu faire de moi un garçon. Alors je serai le plus impitoyable d'entre eux, oui, le plus impitoyable de tous.